Atika, y'all know when, y'all know when, y'all won your win, y'all ambata win. Appréciez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Bien fort, bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Merci, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans Yalan, l'émission Jeunesse sur Télé Tchad. Eh bien, l'émission qui permet aux jeunes, aux enfants de se côtoyer, aussi d'apprendre en s'amusant, de s'amuser en apprenant. Nous y sommes toujours ici dans notre salle où on est habitué à vous offrir du spectacle, à N'Djamena, à l'Onama. Et pour ce numéro, nous sommes allés chercher les deux extrémités de la cité capitale. On est allé à Mbata, au fond là-bas, et à Walia, de l'autre côté du fleuve. Nous sommes allés chercher les lycées et collèges, les excellents d'Ambata. Si vous êtes là, j'aimerais vous écouter, vous applaudir bien fort. Et à Walia, le lycée Le Patriote. Voilà pour cette belle affiche. Le contenu reste le même, toujours aussi alléchant. On va commencer par les questions-réponses. Ensuite, jeu pour ce numéro. On est allé choisir le jeu de calcul puisque nous avons des scientifiques en devenir face à face. Et Zoom, incursion dans les deux établissements avant de venir pour tout beau, tout propre. Et de finir et bifurquer sur Fais ta star là-bas. C'est la rubrique préférée de tous ceux qui savent regarder Yalan. Et c'est bien sûr sous les regards de nos trois jurés que je vous demande d'applaudir bien fort. Eh oui, notre médecin, ravi de vous retrouver, docteur Magloire Tempélé. Mais ceux qui le connaissent sous son chapeau d'artiste l'appellent anonyme. On applaudit bien fort, docteur. Milieu, c'est un artiste complet. Il va vous donner beaucoup de secrets, vu tout ce qui va se passer ici, dont la rubrique Fais ta star, Gedoum Djumbay Razolo. On l'applaudit bien fort. Et le troisième membre du jury, c'est Monsieur Doumtar Dom Lazare. Lui, il est enseignant, à qui la réponse, toutes les réponses, il va nous les donner au complet, à la fin de l'émission. On l'applaudit aussi bien fort. Voilà pour le décor. Tout de suite, nous entrons dans la première rubrique. À qui la réponse? Ça y est, c'est parti pour la première rubrique à qui la réponse face à face le lycée, le patriote et les excellents. On va accueillir tout de suite et maintenant les élèves du lycée, les excellents. Il s'agit de Jim Tanga, Ephraim, Dimitri, Yacoub Néobé, Ndié Golbé, Kodé, Aki. On les applaudit bien fort. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Ça va, Mbata? Tout va bien? On les applaudit encore, s'il vous plaît. Et face donc au lycée Les Excellents d'Ambata, on va accueillir les élèves du lycée privé Le Patriote. On les applaudit bien fort. Payam Bezoubé Kadobé, bonjour. Nous avons Lumana Jacob Soua, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait encore? Ça va, Walia? Oui, ça va. Avec les dégâts là-bas, les sinistrés, ça va? Ça va. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous les sinistrés de Walia? Merci, ça y est, c'est parti pour ce bras de fer. Amen. À qui la réponse? C'est des questions que vous savez déjà. Ouais. N'ayez pas peur parce que les membres du jury ont pris toutes les dispositions pour que les questions ne vous dépassent pas. Les règles sont très simples. Vous choisissez une question. Vous, les trois, vous réfléchissez ensemble à haute voix.
Vous pouvez vous murmurer, discuter le temps des 10 secondes qu'on vous a donné. Et une personne porte la voix de l'équipe pour parler à haute voix et nous dire c'est quoi la réponse. D'accord ? C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Applaudissez si vous êtes prêts. Allez, on va commencer avec les excellents d'Ambata. Première question. Allez-y, choisissez une question. N'ayez pas peur. Et on lit à haute voix. À qui ? Allons-y. Faites la différence entre écouter et entendre. La différence entre écouter et entendre. 10 secondes de réflexion, mes amis. Quelle est la différence entre écouter et entendre? Parlez-vous, discutez. Il reste maintenant 5 secondes. 4. 3. Dès que vous avez la réponse, vous balancez. N'attendez pas d'écouler forcément les 10 secondes. 2. Écoutez, c'est. 1. Top. Oui. Bon. Écouter, c'est percevoir avec lui. Ok. Percevoir avec lui. Oui. Et entendre, c'est. Entendre, c'est. Ça veut dire écouter, mais pas avec attention. Entendre, c'est écouter, mais pas avec attention. Qu'est-ce qu'on fait? On les applaudit. Ici, moi, je suis le plus grand ignorant. Je ne connais pas de réponse. D'accord? Donc, quelles que soient les réponses formulées, vous applaudissez systématiquement. C'est bon? Allez, on applaudit pour Walia. Première question. Allons-y. La première question. On lit à haute voix. Allez-y. Quelle est l'utilité de feu tricolore et l'utilité de dos d'âne? Quelle est l'utilité des feux tricolores et l'utilité des dos d'âne? Question de citoyenneté. J'ai envie de dire. Vous avez 10 secondes qui s'égrènent déjà. Il reste 5. La circulation est des dos d'âne. 4. 3. Oui. Le feu de tricolore, ça sert à maîtriser la circulation, d'assurer une bonne circulation, et les dos d'âne permettent au véhicule de ralentir avant de passer. Ça va aller maintenant très très vite. Deuxième question, allez-y, les excellents. D'Ambata, on lit très très vite. Comment appelle-t-on la transformation des aliments à l'intérieur du tube digestif? Comment appelle-t-on la transformation des aliments à l'intérieur du tube digestif? Les 10 secondes s'égrènent, il reste maintenant 5, 4, 3, dès que vous l'avez, vous balancez, 2, oui. La transformation des aliments à l'intérieur du tube digestif est la digestion. Walia, deuxième question, on va gagner en temps, allez-y rapidement, et c'est la fille qui prend les choses en main. Prudence, allons-y, prudemment. Citez les surnoms de 4 équipes africaines ayant participé à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça, c'est du gâteau, c'est de l'actualité. Ça se passe en ce moment sur Téléchat. Vous suivez les matchs, j'espère. Vous suivez les matchs sur Téléchat, non? Voilà, les 4 pays africains, les 4 nations africaines ayant participé à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 5 secondes sont en train de finir. 4. 3. Oui. On y va. La première. Cameroun. Cameroun. Les lions indomptables. Les lions indomptables. D'accord. Sénégal. Les lions. De la Teranga. De la Teranga. Je me permets parce qu'on veut juste les pays. Oui. Oui. La Tunisie. La Tunisie. Ainsi que le Ghana. D'accord. Les 4 équipes africaines ayant participé à la Coupe du Monde Qatar 2022. Des surnoms aussi. Ah, les noms des équipes là. Les membres du jury veulent leur appellation de star. On reprend au Cameroun, on les appelle. Les lions indomptables. Les lions indomptables. Sénégal, le lion de la Teranga. Ouais, ça, je m'excuse, je ne savais pas. Et la Tunisie.
On ne chuchote pas. Oui? Le Ghana, c'est les stars. Oui. Ghana, c'est les stars. Les stars. Les autres ne disent rien. Tunisie. Validé? Tunisie. Tunisie. Ça vient pas? Non, ça vient pas. Bon, on prend comme ça. On applaudit quand même. Allons-y. Troisième question pour vous. Citez trois moyens de lutter contre le paludisme. Citez trois moyens de lutter contre le paludisme. On est à 5 secondes maintenant. 4, 3, 2, 1, top, oui. Dormir sous une moustiquaire, évacuer les eaux stagnantes et aussi prendre des médicaments contre le paludisme. Des médicaments? Quel genre de médicaments? La quinine et la thémétère. D'accord. Et en dernière position? Évacuer les eaux stagnantes, ouais. Dormir sous une moustiquaire imprégnée, mm-hmm. Prendre des quinines et de la thémétère. Ça fait? Trois. Ça fait trois. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y, le match est bien serré. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Faites la différence entre voir et regarder. Faites la différence entre voir et regarder. C'est quoi la différence? Il reste 5 secondes. 4. Voir. Oui, c'est? C'est-à-dire voir une personne, dont après si on te demande si tu as vu la personne, tu peux connaître même la couleur de son habit qu'il a porté, tu peux faire son portrait. Ok. Et regarder, on peut juste visionner quelque chose sans toutefois connaître son portrait. Est-ce que les patriotes sont là? Est-ce que les excellents sont là? On applaudit bien fort pour les deux équipes. Allons-y. Dans quelle province du Tchad se trouvent les Kaz en Nobis ou Kaz Mousgoum? Dans quelle province du Tchad se trouvent les Kaz en Nobis ou Kaz Mousgoum? 5. 4. 3. 2. Oui. Bon, c'est la Tangilé. La Tangilé, qu'est-ce qu'on fait? Attention, avant-dernière question pour Walia. On y va, vous avez la main. Et c'est monsieur Lomana Jacob Soua. Allons-y. Citez 6 planètes du système solaire. Alors là, c'est du gâteau, ça sourit dans le public, mais attention, attention, citez 6 planètes du système solaire. J'ai la main. Allons-y. Il y a Jupiter. Jupiter. Mars. La planète Terre. Venus. Venus. Saturne. Saturne. Neptune. Neptune. As-tu Dernière question pour les excellents Dambata Libélé. Allons-y. Citez les 3 rythmes traditionnels du Tchad. Citez 3 rythmes traditionnels du Tchad. Nous sommes en musique. Je vous ai vu tout à l'heure danser. Vous n'avez pas le droit de rater. 3 rythmes du Tchad. Allons-y. Les Yondo. Les Saï. Oui. Et attention, Razolo vous regarde. Il se dit que ça, vous ne pouvez pas rater, quoi. Les Yondo, les Saï. Oui. Hein? Et nous avons également. Attention, les 2 secondes s'égrènent. Top. On prend ça comme ça. On applaudit. Dernière question pour les patriotes. Allons-y. Pays d'Afrique de l'Ouest, premier de la communauté française d'Afrique, a obtenu son indépendance le 2 octobre 1958. Pays du grand écrivain Kamara Lai. De quel pays s'agit-il?
On cherche un pays et on vous donne des indices. Pays d'Afrique de l'Ouest, premier de la communauté française d'Afrique à obtenir son indépendance le 2 octobre 1958, pays du grand écrivain Camara Lai. De quel pays s'agit-il ? C'est la Guinée. C'est la Guinée. Vous êtes sûr que c'est la Guinée ? Hein ? Sur la même. Atikatikatikati ! Atikatikatikati ! Yalnawe ! Applaudissez pour les deux équipes ! Et voilà pour ce choc en question d'intelligence. On a fait un peu le tour d'actualité. Et ils ont donné ce qu'ils pouvaient. On verra bien d'ici à la fin de l'émission quelles sont les bonnes et les mauvaises ou les réponses qui sont un peu nuancées avec nos trois jurés. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Nous sommes à présent dans la rubrique jeu et il s'agit de calcul. Ah, Ati-ko-ti-ko-ti-ko-ti-ko-ti-ko-ti-ko-ti. Yalla-we. Applaudissez bien fort pour vous. Et surtout, ne dormez pas parce que l'émission continue et il y a des choses très intéressantes. Là, il s'agit de calculs. Il y aura des X, des Y dans l'air. D'accord? Allez, on va donc inviter pour se prêter à ce jeu Toksouma Magoma Élysée du Patriote. On l'applaudit bien fort. Et face à Élysée, nous avons Natoyoum Sauvé. Bien. Sauvé, Sauvé, faut marcher. Sauvé, ça c'est pour toi. C'est ton cadeau. Faut l'ouvrir. Et ça c'est pour toi. On enlève le bouchon. Ça va? Sauvé. Tu vas sauver les excellents, j'espère. Hein. Ça se voit. Ça va, on est prêt, on est patriote. Oui. Prêt pour tout envoyer. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Allez, alors, mes chéris, vous allez découvrir votre cadeau réservé par les membres du jury. Soulevez la première feuille, le premier feuillet. Allez-y. Action. Et en ce moment, le décompte est lancé et vous disposez de 3 minutes. Pour développer cette équation, vous pouvez déjà commencer. Hein. C'est parti. C'est écrit A égale moins 5X. Ne faites pas attention à ce que je dis. Je risque de dire n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'ai avec les maths. Moins 5X plus 1 en facteur. C'est bien ça. En facteur de 7X plus 4. On va factoriser. C'est bien ça, hein? Hein? On déduit. On développe et on déduit. Je dis n'importe quoi, je dis. Allez, ici c'est B égale moins 3X plus 3 en facteur de moins 5X moins 10. Attention à la précipitation. Vous êtes les matheux et moins d'erreurs qu'aggraves. Un moins à la place de plus et puis c'est fini. Réalisez bien vos résultats encadrés parce qu'ils n'ont même pas fait une minute. Et ça y est, les deux ont déjà encadré. On les applaudit, s'il vous plaît. Je précise que vous disposiez de 3 minutes. Il vous reste encore du temps. Est-ce qu'il y a des choses à retoucher? Non? C'est bon? Oui. Sûr. Et ici, ça va? Rien à retoucher. On les applaudit bien fort. Alors, mes amis, maintenant, ce que vous allez faire, c'est de retourner les tableaux vers le public et les jurés et démonstration. Voilà, je vous aide un peu. Ça va? Je te donne le micro, mon cher Sauvé. On va commencer avec toi. Tiens-toi comme ça, de sorte qu'on voit un peu ton visage. Et tu vas faire exactement comme l'ancien le fait en classe. OK? Démontre pour convaincre
les membres du jury et tes amis. Allons-y, sauvez, démonstration. Bon, je vais commencer d'abord à multiplier les signes. Moins fois, plus donne moins. 5 fois 7, 35. Et x fois x donne x carré. Ici, moins fois plus donne moins. 7, 5 fois 4 donne 20. Et puis, x, quand il y a un seul x, je mets. Je prends 1 fois 7x, ça donne 7x. Je prends 1 fois 4, donne 4. Maintenant, je réduis. Je remets ça et puis je soustrais 20 moins 7. Donc, je prends le signe du plus grand. Et ce qui donne le résultat final? Donne moins 35x carré moins 13x plus 4. On valide le public. Élisée, démonstration, développement. Allons-y. Voilà ici. B égale un facteur de moins 3x plus 3, un facteur de moins 5x moins 10. Voilà ici, j'ai développé. Et 3 fois 3x moins 5x. Ça donne 15x carré. Plus fois moins, ça donne plus. Et 3, moins 3x fois moins 10x, ça donne plus 30x. Ici, plus, moins fois moins, ça donne plus 30x. 3 fois 5 ici, avec les signes ici, ça donne moins 15x. 3 fois moins 10, ça donne moins 30. Plus fois moins, ça donne moins. Voilà ici, 15x carré, plus 30x, moins 15, moins 30. Ici, 15x carré, voilà ici, 15x carré. Et 30 fois 3, 30 moins 15, ça donne plus 15x carré. Et le 30 ici, voilà ici. Voilà la réponse. D égale, B égale 15x carré plus 15, plus 15, 15x moins 30. D'accord. Ton rêve, d'ici à quelques années, quand tu seras grand, tu veux devenir ? Un médecin. Un médecin. D'accord. Et on voit pour Élisée, c'est et quoi demain, tu veux faire quoi? Je vais faire la médecine. La médecine aussi? Oui. Tu es sûr? Oui, on a un médecin, là. Atik, 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 atik. Atik, 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 atik. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos deux candidats, s'il vous plaît? Merci, merci infiniment. Sauvé, merci à toi, Élisée. Merci. On va voir si les deux réponses sont des bonnes à la fin de l'émission. D'accord? On les accompagne par une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. Je me nomme Miaou Noumnadi, proviseur du complexe scolaire Les Excellents. Nous sommes un établissement scolaire général. Et c'est même un complexe parce que ça commence depuis la maternelle jusqu'à terminale. Et nous sommes à N'Djamena, dans le 7e arrondissement, précisément au quartier Mbata, non loin du site des Coréens. Donc, quand vous empruntez l'axe qui quitte le lycée de Gassi jusqu'ici, vers le nord, on se retrouve pratiquement à 1 km. Nous sommes autour de 450 élèves au cycle moyen et secondaire, c'est-à-dire que le collège et le lycée. Et au cycle primaire, nous sommes tournés autour de 200 élèves. Voilà un peu l'effectif global, donc on tourne autour de 650 élèves. En ce qui concerne les examens finaux, on a deux examens. On a le BEF et on a le baccalauréat. Et donc, pour le BEF, on était autour de 92%, mais le baccalauréat, on a fait 100% au bac. Donc, ça fait deux années successivement que notre résultat au bac tourne, est autour de 100%. La particularité, dès votre entrée, vous avez vu, on a mis la devise de notre établissement, la rigueur, qualité, réussite. Ici, chez nous, la rigueur n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et donc, par comportement, ici, nous mettons d'abord un accent particulier sur le recrutement des enseignants, qui passe d'abord par un test. Et un test, ce n'est pas un test écrit, mais c'est un test où l'enseignant prend un thème et il passe directement au tableau et nous le supervisons. Et donc, une fois que les enseignants sont recrutés, nous procédons d'abord à la formation,
après la formation, ils sont renvoyés à leur métier dans les classes respectives. Oui, à travers la paix au Tchad ici, je viens tout à l'heure de vous évoquer que tous les lundis matin, on lève la couleur. Qu'est-ce qui est le plus important dans un pays que la couleur, les couleurs nationales? Et donc, autour des couleurs nationales ici, tous les enfants qui sont restés là avec une seule tenue, nous leur disons, ils sont les enfants des mêmes pères et des mêmes mères. Ils doivent s'assister mutuellement. Si jamais quelque chose arrive à un élève du lycée collège des excellents portant la même tenue, ils doivent se porter assistance. Ici, il n'y a pas de discrimination entre un gars musulman et un gars chrétien, non. Il n'y a pas une discrimination entre un gars du Nord et un gars du Sud, non. Ça n'existe pas. Nous faisons également la promotion des trois langues, le français, l'anglais et l'arabe. Et donc, par conséquent, le règlement intérieur est utilisé à tout élève, est utilisé ou bien appliqué sur tout élève qui commet une faute. Et donc, nous, ici, il n'y a pas de discrimination. Le fondamental, ici, la cohabitation, il faut éviter la discrimination. Il ne faut pas que les enfants se sentent peut-être exclus dans la société où nous sommes, ou bien dans l'établissement où nous sommes en train de fonctionner. Donc, de ce côté-là, nous, c'est tout simplement le règlement intérieur et c'est lui qui fait le travail. Il mérite sa note, on lui donne. Mon dernier mot, c'est de remercier la télévision nationale pour le déplacement jusqu'à notre niveau ici, pour permettre au moins à l'opinion nationale et internationale de connaître notre position géographique et d'en savoir un peu ce que nous faisons. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas reçu, depuis notre création, on ne vous a pas reçu ici. Et c'est une aubaine pour l'établissement de recevoir une chaîne à l'échelle nationale et internationale venir à nous et nous permettre également aussi de compétir avec d'autres établissements pour jauger un peu notre performance. Donc on espère bien que nos élèves vont bien compétir et nous leur souhaitons tout simplement bon travail et nos bonnes chances. Je suis Madioto Nendevaïf. Je suis le proviseur du lycée Collège Moderne Le Patriote de Walia. Le lycée Patriote de Walia est un établissement d'enseignement privé qui est situé à Walia, dans la commune du 9e arrondissement, plus précisément à Walia Ngoumna. Effectif annuel pour l'année qui vient de passer, nous étions à 741 élèves de la 6e en terminale. Si en termes de réussite, nous avons présenté 77 élèves au BEF, brevet d'enseignement fondamental. Tous les 77 étaient admis. Donc nous avons fait un taux de 100%. Par contre, en terminale, série confondue, nous avons présenté 109 candidats et nous avons fait un taux de réussite de 88,07%. Bon, ce qui fait la particularité, c'est la rigueur. Ici, on ne laisse pas les élèves se balader n'importe comment. Quand ils viennent, ils ont ceux qui ont 5 heures, il y a des classes qui ont 5 heures, des classes qui ont 6 heures, surtout les classes de terminale. Et là, on ne permet à aucun élève de se promener dans la cour. Et même pendant que tout le monde est en salle, personnellement, je sors, je fais le tour de l'établissement. Et si je rencontre un élève traîné partout, traîné au quartier, cet élève aura des problèmes. Donc la discipline est de rigueur. Et en plus, même les enseignants, ils sont également surveillés. Ils sont suivis de bout à bout. Donc chaque fois, nous contrôlons le cahier des textes. Nous contrôlons même quelquefois les cours, les cahiers des élèves. Parfois, on prend un élève au hasard, on contrôle les cahiers, donc il y a vraiment de contrôle à tous les niveaux. Et même quand un élève, les présences, tout ça, nous contrôlons, ne laissons aucun détail. La paix est vraiment le bien le plus recherché par tous. Et je rends grâce à Dieu parce qu'au lycée Patriote, nous n'avons pas noté les cas de discrimination. Si vous faites même le tour dans les salles de classe, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Pendant les heures de pause, ils sont ensemble. Il n'y a jamais eu de cas de discrimination. Ils sont vraiment en parfaite cohabitation. Et puis, la cohabitation pacifique est là, vraiment. Dernier mot, c'est de lancer un appel à tous les établissements. Parce que ces derniers temps, nous constatons que les établissements privés, au lieu de voir la priorité qui est l'éducation, la formation des élèves, les gens priorisent l'argent. Et ce qui fait que on fixe des frais exorbitants et la priorité, l'accent est beaucoup plus mis sur l'argent au lieu de mettre l'accent sur l'éducation. Et cela fait que parfois, certains établissements, vous sortez à 10 heures, 9 heures, vous allez voir des élèves qui traînent partout alors que ce sont les heures de cours. Donc il faudrait que les chefs d'établissement, qu'ils soient privés ou publics, puissent mettre vraiment le paquet sur l'éducation. Parce que l'éducation est
la chose la plus importante que le pays a besoin. Nous pouvons avoir beaucoup de richesses, mais si les enfants ne sont pas instruits, cela va se dilapider en un rien de temps. Donc il faudrait que nous puissions vraiment mettre l'accent sur l'éducation et la meilleure éducation surtout. Vous êtes fatigué. Yal nawe. Yal nawe. Yal wali yawen. Yal ambata wen. Safougou. On applaudit bien fort. Et oui, c'est reparti pour Yalnan après cette incursion dans les deux établissements. Vous vous êtes peut-être reconnus dans les éléments qu'on a regardés. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. Croyez-moi, les excellents comme les patriotes, ces deux appellations que j'adore. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Nous sommes à présent dans Tout Beau, Tout Propre. Nous allons inviter le premier candidat entre Finéry Koy et Adoum Yacoub. Le candidat, justement, du lycée Le Patriote, Finéry Koy. On l'applaudit bien fort. Ah ah. Bien, venez ici. Alors, M. Finéry Koy, approche un peu, approche, voilà. Et qui a pris le temps de nous préparer quelque chose de ouf. Voyons voir. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce moment? Alors, le temps de regarder... Eh bien, cette banderole est... On a toutes les informations. Il est là pour nous parler du variole, c'est ça? La variole du singe en Afrique et en Europe. Mais déjà, ce que j'aimerais savoir, ça coûtait combien, ça? Oui, bon, c'est un sacrifice, bien sûr. Un sacrifice? Donc, comme c'est une information qu'on voulait à ce que tout le monde puisse comprendre ce que c'est la variole du singe, donc, c'est par rapport à ça, oui. Mais applaudissements. Allons-y. Le décompte est lancé. Attention, le chrono. C'est parti. Merci beaucoup. Je m'appelle Finéry Koy, élève du lycée Patriote. Et je suis vraiment ravi de partager ces thèmes qui portent sur la variole du singe ici dans cette matinée avec vous. D'abord, tout, la variole du singe est une infection contagieuse provoquée par un virus antivariolique ou soit encore... Orthopox virus, qu'on peut encore appeler en anglais the monkeypox, qui est la variole du singe. Et cela a débuté depuis 1958 à Danemark, mais maintenant parlant de la variole du singe, qui a été découvert pour la première fois en 1970 chez un garçon âgé de 9 ans, ici bien sûr en Afrique, précisément dans la République démocratique du Congo. Et maintenant, comment cette maladie se manifeste? Il y a ces symptômes que si seulement tu attaquais, ça se présente en deux phases. Nous avons la phase invasive, la phase éruptive. Maintenant, la phase invasive ici, ça se présente si seulement tu attaquais par cette maladie. Tu présentes des fortes fièvres, des gonflements des ganglions et aussi de la lymphatique et douleur dorsale. Et on peut dire, c'est-à-dire que tu n'as pas de l'énergie, fatigue générale. Maintenant, parlant de la phase éruptive que nous sommes en train de voir ici chez les deux enfants blancs, africains bien sûr, parce que cette maladie ne connaît ni africains ni européens. Donc c'est cette phase-là qui est appelée éruptive. Il y a les lésions cutanées qui sortent au-dessus, partout dans le corps, précisément à la face et dans les zones génitales, etc. Donc maintenant, ici pour son mode de transmission, si seulement on est en contact avec la personne souffrante, dès que vous êtes en contact, si seulement elle présente des éruptions, comme nous sommes en train de voir ici, automatiquement vous êtes contaminé. Et aussi, nous devrions, si seulement cette personne est contaminée et qu'elle vous portez les mêmes vêtements, vous êtes aussi contaminé automatiquement. Et c'est qu'on parle de la contamination de l'homme à l'homme. Parlant de la contamination de l'homme et de l'animal à l'homme, si seulement l'animal possède ces symptômes, ou soit encore... et cet animal est blessé et que vous êtes en contact, vous êtes automatiquement contaminé. Mais maintenant... Il reste 30 secondes.
OK. Maintenant, parlant de sa prévention, pour éviter cela, il faut éviter de contact direct avec la personne contaminée. Dès qu'on est informé que cette personne est contaminée, on doit mettre immédiatement la personne à l'écart afin d'éviter des contaminations plus. Donc, cette variole est si dangereuse que nous devrons respecter les mesures barrières afin d'éviter cela. Merci. D'accord. On applaudit encore bien fort. Monsieur Fineri Koï, qui a vraiment blasé les jurés qui applaudissent et surtout le médecin de notre jury qui a acquiescé de la tête, docteur Magloire Tempélé. Alors, est-ce que par hasard, c'est aussi ça ton rêve de métier? Oui, je rêve un jour être un médecin afin d'étudier d'abord les maladies, bien sûr. Surtout, c'est pas beau hein, quand on voit comme ça, il faut faire très attention. Bien sûr, mais ça tue, bien sûr. Ça tue. Raison pour laquelle il faut éviter cela, donc c'est ça. On applaudit, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que les excellents sont là? Je ne vous sens pas, les excellents. Est-ce que vous êtes là? Applaudissez bien fort pour vous. Allez, deuxième candidat après l'élève du lycée Le Patriote, l'élève du lycée Les Excellents, et c'est Adoum Yacoub Ousmane. On l'applaudit bien fort. Adoum Yacoub Ousmane, voilà. On lui donne de la force, les amis. Voilà. Ça va, Yacoub? Oui, ça va. Bien. Bien? Oui, ça va. Relax. Bien. Relax. Faut pas te laisser intimider par tout ça. Hein. C'est l'information qui nous intéresse. D'accord? Tu es là pour nous parler de quoi? Je suis là pour vous parler du variole des singes. La variole du singe, toujours. Oui. C'est ça? Allons-y. C'est parti. Tout d'abord, j'ai défini la variole des singes comme... C'est une maladie provoquée par l'orthopox virus simien. Il s'agit d'une zoonose virale. C'est-à-dire que cette maladie est transmise par les animaux à l'être humain. Il peut également donner lieu à une transmission interhumaine et passer de l'environnement à l'être humain. Et les symptômes de cette maladie sont les suivants. On a la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs dorsales, manque d'énergie, frissons, épuisement. Le gonflement des ganglions lymphatiques. On va retrouver les idées. Allons-y. On l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Les modes de prévention pour éviter cette maladie, on a la vaccination dite troisième génération, la vaccination classique, éviter tout contact physique étroit, éviter les contacts sexuels avec une personne affectée par ce virus. Yes. Voilà. Et puis, on a aussi les signes cliniques de cette maladie. Les signes cliniques de cette maladie sont, on a l'éruption cutanée ou muqueuse génitale, l'anal ou buccale accompagnée d'une fièvre plus de 38 degrés. Et cette maladie est transmise de personne à personne par contact avec lésions ou les croûtes d'une personne affectée qui peuvent se trouver sur la peau ou sur les muqueuses comme les yeux, la bouche, la gorge, les organes génitaux, l'anus ou le rectum. Et puis... Voilà. OK. Ouais, là, je pense qu'il a trouvé encore de l'énergie supplémentaire. Les modes de traitement contre cette maladie, on a le traitement du variole est symptomatique. Il comprend... Ouais, il reste maintenant 30 secondes. Ouais. Il comprend l'administration de solité.
les médicaments soulageant les symptômes. L'assistance respiratoire, par exemple, un masque à oxygène. Et on a aussi les traitements pour maintenir la pression artérielle. Super. Ati. Là, on sent, docteur Magloire, on sent qu'il a vraiment vidé son sac. Et vous savez, c'est une leçon, c'est quoi? Quand vous donnez de l'énergie, donc c'est ensemble qu'on est fort. N'est-ce pas? Ça va? Ça a été? Première fois de parler à la télé, donc on comprend un peu la pression, le stress. Dis-nous, c'est quoi ton rêve à toi, mon cher Sadok? Je rêve de devenir un médecin. Un médecin aussi, waouh! Alors, est-ce que tu voudrais faire une spécialité particulière? Oui. Comme quoi? Tu veux devenir médecin? Quelle spécialité? Comme l'épidémiologie. Pour... Ah! ça veut dire que lui, il sait vraiment ce qu'il veut dans la vie. Hein. Mais à certains parmi vous, là, ils ne savent pas encore. On l'applaudit bien fort! Ati! Ati! Yalla, ouais! Applaudissez! Eh oui, c'est très chaud et c'est ça, ça promet toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, beaucoup de sensations, et voilà. Dans Yalla, nous sommes à présent dans la dernière rubrique, ça s'appelle Fais ta star. On applaudit bien fort. Ati. Applaudissez pour vous si vous êtes bien chaud. Nous sommes dans la dernière rubrique Fais ta star. Et dans cette rubrique, il y a des manches, il y a poèmes, il y a hymne national et il y a chorégraphie. Ça vous tente? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Mais avant, permettez que je salue avec beaucoup de révérence la présence parmi nous de Monsieur le maire du 9e arrondissement. Quand on parle de Walia, c'est le 9e arrondissement. Il s'agit de Monsieur Mamad Kériman Salé. On sent qu'il est toujours aux côtés des jeunes de Walia. C'est ça? C'est un jeune proche de la jeunesse, un maire proche de la jeunesse. Merci encore pour votre présence. Tout à l'heure, on va vous appeler pour remettre les lots aux deux équipes. C'est parti pour la première manche de la dernière grosse rubrique de Yalna, Poésie. Les futurs poètes sont Masra Bienvenue et Mbaye Dene Nativité. On va aller l'un après l'autre et on appelle Masra Bienvenue du lycée Le Patriote. Masra Bienvenue. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue à toi. Merci. Allons-y, tu es le poète, c'est quoi le titre de ton poème? Bon, le poème, je vais déclamer sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble? Mais tout d'abord, je me suis inspiré de l'autre, de la vie actuelle du Tchad. Oui. Mais mon poème a pour titre La Confession. La Confession? Oui. Alors, c'est un titre assez spécial. Allez, c'est parti pour La Confession à un autre poète. Silence, on l'écoute. Confession. Tuez-les, nous les eûmes tués. Les rêves furent dissipés. Depuis Abéché, depuis N'Djamena, depuis Sar, le peuple fit sa propre hécatombe. La désolation triompha sur la nation, ce pays pleura. Ô Tchad, pays des âmes rachetées, meurtries par les divisions internes, hypnotisées par les guerres, affaiblis par les querelles, la haine
cracha ses veines. Cesse de pleurer, ô pays des hommes légendaires. Sèche tes larmes, fais taire tes armes, pense tes plaies. Peuple de mauvaises clameurs délaissées, tchadien des abysses remontés, tchadien des tourments vaincus, cultivons la tolérance, faisons taire la démence. Domptons à jamais la haine, festoyons dans la clémence, peuple tchadien. On sent beaucoup d'émotion. Il porte ces mots avec son cœur. On sent qu'il parle avec son cœur. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Ati, Gati, Gati, Gati. Est-ce qu'en bataille là? Oui. En bataille, vous dormez. Est-ce que vous êtes là? Oui. Applaudissez bien fort pour vous. Et pour représenter le lycée Les Excellents d'Ambata, nous invitons sous vos applaudissements Maïdené Nativité. Maïdené Nativité. Ça va, Maïdené? Ça va. Ça va bien? Oui. Tu es la poétesse, c'est ça? Oui. Alors, on est là toute nuit pour nous laisser envoler avec tes mots. C'est quoi le titre? La paix et la cohabitation pacifique au Tchad. Allons-y, ma chérie. Poème, paix et la paix et la cohabitation pacifique au Tchad. La paix et la cohabitation pacifique au Tchad, mot qui est aux lèvres de tout le monde. La vie est âpre et légère de gloire, de paix et de paix, de cohabitation fraternelle, d'égalité et de probité. Peut-on espérer à un monde meilleur sans ceci, avec la guerre, les conflits communautaires, religieux, tribaux et ethniques, il n'y a aucun espoir. L'atmosphère qui règne est assombrie par ces événements. Est assombrie par ces événements et aucun rêve n'existe. La population est plongée dans l'ignorance. Des hommes guettent des occasions. Tchadiens du Nord, Tchadiens du Sud, Tchadiens de l'Est, Tchadiens de l'Ouest, cultivons la paix, l'amour du prochain et oublions nos différences. Que l'air frais de la vraie paix s'abatte sur notre... Que l'air frais de la vraie paix règne sans exception sur notre pays. Que les flammes de la paix, couvrent nos haines couvrent nos haines provoquées par la gourmandise et l'esprit de domination qui nous caractérise. Que les hommes sans distinction ethnique se sentent concernés par la préservation de la paix, par des moyens pacifiques, gage du développement durable. Peuple tchadien, enterrons nos haches de guerre, cause de la division nationale. Cultivons l'amour, le respect d'autrui et de la dignité humaine. Tchadien et tchadienne, changeons nos comportements, nos mentalités pour une cohabitation pacifique réelle. Cohabitation pacifique, c'est le gage de tout développement d'un Tchad pacifique et prospère. Merci. Ouais. Merci. Voilà les encouragements du proviseur du lycée Les Excellents et de ses camarades. C'est pour te dire que tu as peut-être cherché tes mots, mais tu nous as trouvé les mots à leur place. Et ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Allez, Nativité, oui. Ça va? Ça va. C'était un peu compliqué, mais ça va. Tu t'en es bien sorti. D'accord? Oui. Bravo. Alors, c'est quoi ton rêve à toi? Faire la médecine. Hé hey. Bien. Bon, j'ai pas voulu poser cette question depuis le début parce que vous êtes libre. Hein. C'est pas interdit de rêver. Mais est-ce que vous savez que la médecine, là, c'est long? Hein? Oui. Ça fait combien d'années d'études? 7 ans. Sept ans. Tu es prête pour les 7 ans? Oui.
Merci Nativité. Ati, est-ce que les patriotes sont ici? Allons avant. Est-ce que les excellents sont dans la salle? Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Ati, on va d'abord accueillir tout de suite le candidat qui représente les excellents. C'est plutôt la candidate. Elle est ici pour la manche hymne national. Elle s'appelle Hassanié Samsia. On l'applaudit bien fort. Hymne national censé être maîtrisé par tous les fils et filles du Tchad. Mais attention, il y a des nuances. Et monsieur Godum Dimbaye Razolo, notre juré, est là pour vous dire que on chante l'hymne national comme ça, comme ça, comme ça. L'hymne national, la tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. On t'applaudit bien fort. D'accord, merci. Ça va? Ça va. Alors, quand tu chantes ça, tu sens l'amour de la patrie. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ati, gati, gati, gati. Est-ce que vous aimez Yalna? Oui. Si tu aimes Yalna, applaudis. Si tu aimes Yalna, applaudis. Ati, gati, gati, gati. Applaudissez bien fort pour vous. Nous sommes toujours dans Hymne national après Hassanié Samsia. Nous allons accueillir Bambambi Makila. On applaudit très fort Bambambi, s'il vous plaît. Badabambi Makila, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, désolé d'avoir écorché ton nom. Bambambi, tu es prêt? Oui. C'est pour l'hymne national, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on a quoi derrière là? Le drapeau, le symbole de notre pays, quoi. Allons-y. Ok, avant d'entonner ce hymne, je demande à tous les patriotes de se tenir debout. Mon établissement. Peuple tchadien, debout. Liberté est à toi, oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants, joyeux, pacifique, en avance, en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Alors, Makila, une très belle voix aussi. Ça va? Oui, je vais bien. Tu as bien chanté, hein? Oui, mais je suis un peu, mais je crois que j'ai tenu, quoi. Je ne le savais pas, c'est ma première fois, quoi. Alors, tu as un peu de l'émotion, ça tremble un peu, mais bon.
C'est ça, hein, c'est pas facile d'être à la télé comme ça. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ah, tu. Vous êtes l'avenir de ce pays. Applaudissez pour tous ses rêves. Allez, le Tchad compte sur vous. À présent, on va s'amuser. Pour finir en beauté. Vous êtes d'accord? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, charmants publics de Ialna, on va faire un triomphe pour accueillir les élèves du lycée Les Excellents. Qu'est-ce qu'elles sont belles et magnifiques, appréciez leur tenue. Oh. Ah ouais, en tout cas, vous avez fait fort, hein, vous avez fait fort. Appréciez pour elles encore. Merci beaucoup, merci, vous avez bien travaillé. Applaudissez-moi encore. Ah, tu. Allez, c'est toujours un moment plaisant qui fait toujours son effet quand on voit les jeunes s'amuser. C'est ça aussi, le vivre ensemble sur Téléchat. Dans Yalna, dernière sortie, on va mettre la barre encore plus haut. Oh, vous êtes d'accord? Et on va faire un tonnerre d'applaudissements pour les élèves du Patreon.
Merci beaucoup. Ah, tigo, 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 tigo. Yal nawe. Yal nawe. Yal wali yawe. Yal ambata we. Tonnerre d'applaudissements pour vous, du public. Merci infiniment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui étiez de notre devant vos petits écrans depuis le début de ce show numéro de Yalna. Nous arrivons ainsi au terme de ce rendez-vous, de ce numéro. On va découvrir maintenant le résultat. Vous êtes tous impatients, je le sens, mais ceux qui sont habilités à dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, c'est bel et bien Monsieur Gedoum Dumbaye Razolo, Monsieur Doumtardom Lazare et Docteur Magloire Tempélé, je vous demande de les ovationner bien fort. Il nous rejoint et ils vont tout vous dire, ils vont vous rectifier pour que demain vous soyez encore meilleurs. D'accord? Bonjour, bienvenue Monsieur Razolo. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour, monsieur Lazare. Bonjour, monsieur Parfait. Allez-y, votre attention, le résultat. Bonjour, les chers élèves et les administrateurs. Nous sommes surpris par le degré de l'intelligence de nos candidats, surtout pour ce matin. Ça suppose certainement qu'il y a des écoles qui forment encore les gens au théâtre. La baisse de niveau... Nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui sont là, qui aident les jeunes à aller de l'avant. Merci. Sur la première manche appelée « À qui la réponse ?», nous commençons par donner les éléments de réponse. La première question qui demande un pays d'Afrique de l'Ouest, premier de la communauté africaine française d'Afrique à obtenir son indépendance le 2 octobre 1958, pays du grand écrivain Camara Lai. Il s'agit de quel pays? C'est la Guinée-Conakry. Dans quelle province du Tchad se trouvent les cases en Obi ou cases Musgoum? Il fallait, n'est-ce pas, citer Mayokubi Est. Mayokubi Est, Bangor, généralement on dit comme ça. Comment appelle-t-on la transformation des aliments à l'intérieur du tube digestif? C'est la digestion. Citer au moins trois moyens de lutter ou bien de lutte contre le paludisme. Et nous allons citer l'utilisation, n'est-ce pas, de mousquetaires imprégnés. Il fallait également pulvériser les coins. Il fallait également prendre des produits préventifs. C'est ce qu'ils ont cité. Donc c'est bien. Nous avons dit, faites la différence entre écouter et entendre. Voilà les synonymes. Il y a un écrivain français qui dit... Si les synonymes sont parfaits, alors il va y avoir deux langues dans une langue. C'est-à-dire les synonymes ont au moins des nuances à dégager à partir de leur étymologie. C'est pourquoi on dit écouter et entendre. Écouter, n'est-ce pas, c'est écouter mais avec plus d'attention. Quand quelqu'un voudrait s'adresser à vous, il dit écoute. Donc il attire d'abord votre attention. Alors que entendre, on peut entendre passer sans prêter attention. Donc écouter nécessite une attention particulière. Par contre, entendre, je veux entendre le bruit, mais je ne connais pas, je ne perçois pas effectivement ce qui se passe là. La question suivante dit, citer six planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton. Je crois que ça, c'est le premier depuis là-bas. La question suivante dit, citer trois rythmes traditionnels du Tchad. Et voilà que nous venons de danser. Mais nous ne savons pas les noms de ces rythmes-là. Vous allez citer les Dala, vous allez citer les Ndo, vous allez citer, je sais pas, Gourna, vous allez citer... La liste est exhaustive. Merci. La question encore, de quelle est l'utilité, n'est-ce pas, des feux tricolores et l'utilité des dodanes? Les dodanes servent, sinon permettent, n'est-ce pas, aux conducteurs de ralentir un peu la vitesse. Lorsqu'on roule tellement et qu'il y a dodanes, ça nous permet, ça nous signale de ralentir un peu la distance, la vitesse, et les feux également permettent de régulariser, n'est-ce pas, laisser passer, donner la priorité à une partie et permettre, voilà l'utilité de ce qu'on appelle les feux et
Citer les surnoms des quatre équipes africaines ayant participé à la Coupe du Monde Qatar 2022. Maroc avec le lion de l'Atlas, Cameroun avec le lion des Indomptables. Nous avons Sénégal avec le lion de la Teranga et Tunisie avec les aigles de Carthage. La dernière question dit, faites la différence entre voir et regarder. De la même manière comme écouter et entendre. On regarde avec une attention particulière. Regardez-moi ici. Donc, je vous regarde, je vous fixe le regard. C'est comme quand on faisait le primaire, on nous demande, n'est-ce pas, de faire une séance d'observation. Donc, regardez, on vous demande, n'est-ce pas, de décrire ce que vous avez regardé. Alors que voir, on peut voir passer sans fixer le regard, attention. Donc, j'ai vu passer quelqu'un, mais je ne sais pas de qui il s'agit exactement. Voilà la différence entre voir et regarder. Merci. Je passe le micro à Monsieur Razul pour la suite. Bien, merci. J'interviens dans la rubrique de Fête à Star, qui a trois parties, la poésie, la tchadienne et la chorégraphie. Moi, je pense que de manière générale, on a assisté à la déclamation de poésie et ce qu'on demande le plus à la candidate de l'excellent, quand bien même on a remarqué que le texte était très long pour elle, mais on lui demande de fixer son public pour déclamer son texte, puisque c'est de ceux-là qu'il s'agit, c'est à ceux-là qu'on adresse, donc c'est de les regarder au moins, mais pas regarder au ciel et ignorer ceux qui sont en face, même si c'est une émission télévisée. Et la deuxième rubrique qui consiste, la tchadienne, nous demanderons aux candidats des patriotes d'articuler, même si il est complètement dans l'émotion et dans l'attente de sa carrière qui est de défendre la patrie, défendre le territoire, on lui demanderait prochainement d'articuler et surtout de respirer, de prendre assez de souffle parce qu'il y a certains textes dans la tchadienne qui demandent une bonne gestion de souffle et de l'air qu'on a emmagasiné dans le poumon. En ce qui concerne la troisième partie de la chorégraphie, je crois que les candidates de les excellents nous ont présenté une belle chorégraphie mettant aussi en implication l'intégration africaine, c'est-à-dire ils ont sollicité un artiste tchadien en l'occurrence Mondoué, avec Mani Bella. Donc c'est pour dire que voilà, nous avons quelque chose de commun qui est le Dala et le Bikusit qui se ressemblent un peu aussi. Voilà pourquoi ils se sont mis ensemble pour porter le message de l'intégration africaine. Et elles ont utilisé aussi le système symétrique dans la chorégraphie. Donc quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est trois personnes qui dansent, mais en face d'un miroir. Et ça, c'est une curiosité chorégraphique qui est très, très, très alléchante, qu'il faut encourager. Voilà. En ce qui concerne aussi les candidats des patriotes, ils ont aussi utilisé un système un peu moderne de la chorégraphie et ils nous ont offert aussi une très belle tenue et surtout, ils nous ont marqué aussi avec la fin de leur chorégraphie, les touches. Donc on a bien aimé. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette belle prestation. Merci Razolo, artiste, humoriste, danseur contemporain. Il fait plein de choses. Applaudissez pour tous ses conseils. Un autre artiste qui n'est pas là comme artiste, il est là comme médecin. Docteur Magloire Tempelé. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. En ce qui concerne la rubrique « Tout beau, tout propre », je crois que vous avez vu la prestation de nos deux candidats. Ils ont été assez conséquents. Moi, j'ai respecté cette exhaustivité qu'ils ont eue. Quelqu'un nous a parlé de l'historique, ce que l'autre n'a pas fait, mais l'autre nous a parlé des traitements symptomatiques que l'autre n'avait pas fait. Ils se sont complétés en plus. Il y a eu de l'éloquence. J'ai aussi beaucoup aimé le sérieux que les équipes, les encadrements ont mis dans l'accompagnement de ces jeunes.
Je sais que parfois, quand on parle, on ne retient pas tout, mais quand on a une image, comme vous avez vu là, on rentre avec quelque chose en tête. Alors, la variole du singe n'est pas encore arrivée au Tchad, mais vous savez que ça évolue sur le plan mondial, même si maintenant ça diminue un peu. Il y a des risques, puisque ça sévissait depuis plusieurs années déjà au Congo, Brazza, RDC, et ainsi de suite, et même dans d'autres pays. Il y a des risques que ça vienne, d'où l'intérêt d'avoir ce thème ici, pour nous préparer l'esprit, pour savoir qu'on peut prévenir cela de la même manière qu'on prévient la COVID-19. Donc retenez ça. Et je ne vais pas être long sur ça, je vais féliciter les encadreurs. J'ai vu un geste qui m'a beaucoup plu. Lorsque l'une des candidates était en train de remonter, il y a son encadreur qui s'est levé pour la saluer, mais l'encadreur de l'autre école s'est aussi levé pour l'accueillir. Ça, c'est bravo, franchement. Super. Oui. Ati. On applaudit pour ce geste. À présent, mesdames, messieurs, chers élèves, chers encadreurs, le résultat final qui, attention, ne veut absolument rien dire parce qu'on a pris du temps à s'amuser. D'accord? Je ne veux pas voir des visages crispés, des gens qui vont se fâcher. OK? Le président du jury va nous donner le résultat. Le rapporteur du jury. Alors, on va récapituler pour que chacun voit où il a eu des forces, où il a eu des faiblesses. Mais sachez qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, on sort tous gagnants. Pour la première rubrique, c'était la culture générale. Le complexe scolaire excellent a totalisé 5 points sur 10 et le lycée moderne, le Patriote, avait totalisé 7 points sur 10 à cette étape. Deuxième manche, c'était le jeu mathématiques. Ils ont tous réussi leur exercice. 2 points partout. Donc 2 points de chaque côté. Quatrième partie, c'était la présentation sur la variole du singe. Je n'ai pas voulu léser quelqu'un. Ils ont tous été conséquents. Donc 2 points partout aussi. Cinquième manche. Là, c'était chaud, là. Hein, l'hymne national, la poésie, la chorégraphie. La différence ne s'est pas jouée à beaucoup de choses. Complexe scolaire, excellent. Les excellents, 6 sur 6. Le lycée moderne patriote, 5 sur 6. Voilà, ce qui fait un total, hein, un récapitulatif, de 15 sur 20 pour le complexe scolaire, les excellents, et 16 sur 20 pour les patriotes. Et voilà donc pour le résultat, ils sont au coude à coude, 15 sur 20 pour les excellents qui n'ont pas démérité. Applaudissez pour vous. Et puis, bien sûr, 16 sur 20 pour le lycée, le Patriote. Voilà, on a passé du bon moment ensemble. Et comme je l'ai dit, tout le monde s'en sort gagnant. Vous avez bénéficié des informations, des conseils, beaucoup de choses pour la vie et pour l'avenir. Prenez-en bien soin. Ils ont été vraiment bons avec vous. Ils vous ont tout donné. Donc, vous repartez forcément gagnant. Applaudissez pour nos jurés, s'il vous plaît. Ati. Nous invitons tout de suite et maintenant, sous vos ovations, les deux représentants des deux établissements, les encadreurs. Venez, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Et c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Merci. 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 Bonne arrivée. C'est les tchèques qui gagnent. Ah oui, restez là à côté. Ok. Alors, ils sont trop fair play, on dirait deux amis d'enfance. Merci. Alors. On va commencer par le lycée Les Excellents d'Ambata, que je précise, vous avez été excellent, comme votre nom. On remet votre encadreur va se présenter d'abord et nous dire ses émotions, ses impressions en deux, trois mots. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je me nomme Yaon Omnadi, fondateur et proviseur du lycée Collège Les Excellents. Vraiment, c'est de l'honneur pour nous de venir, d'être invités d'abord par la Télé Tchad. Et ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu cette opportunité-là. Donc, c'est une visibilité d'abord pour l'établissement. Deuxièmement, c'est le Tchad qui a gagné. Premièrement, d'abord, au fait, deuxièmement, les enfants, ils ne se connaissent pas. Et grâce à la Télé Tchad aujourd'hui, cette retrouvaille-là, c'est un plus. Voilà. Et donc, nous sommes restés avec le fondateur de Patriote. On se connaît très longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Nous, on se connaît, mais sauf que nos élèves ne se connaissent pas entre eux. Et aujourd'hui, c'est une opportunité de communiquer ensemble. Et donc, c'est vraiment... Personne n'a gagné, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci encore pour la Télé-Tchad. De nous avoir donné l'occasion de se retrouver et de faire un brassage. Merci. Monsieur le fondateur, j'aimerais vous dire que c'est la télé Tchad, donc c'est la télé de tous les Tchadiens. Présentez-vous et vos impressions. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Boguel Lamé Emmanuel. Je suis le fondateur du lycée moderne Le Patriote de Walia. Merci de cette initiative. Il y a eu des moments de bonheur. On n'a pas été invité. Il y a eu des moments de haut, on a été oublié. Mais aujourd'hui, non seulement c'est le lycée Patriote qui est honoré, je mérite tirer chapeau à la Télé Tchad d'avoir invité notre mère très souffrant, des fois rejetée même par la population, mais qui n'a jamais baissé le bras pour que tout le monde surmonte l'innovation. Nous sommes très fiers de notre mère. Et nous sommes très fiers de la télé. Mais quelque chose de spécial que la télé a fait. Moi et Mia, on est des amis de longue date. Vous avez interrogé nos élèves. Ils ne se connaissent pas. Et encore, ces liens que vous avez créés aujourd'hui vont permettre à nos élèves de se découvrir. Nous ne sommes pas ici pour chercher un prix. Mais nous sommes là pour la cohabitation pacifique entre les enfants. Tous les désastres que nous connaissons, tous les désastres que nous connaissons, c'est la faillite de l'éducation. J'aimerais tirer chapeau à Yalna, qui unit les enfants de Tchad. Et ce que je voudrais vous demander, dans l'avenir, c'est de prendre les enfants d'Aouzou avec ceux de Walia, et ceux de Mbaïbokoum avec ceux de Gassi ou Ambata. Enfin, les enfants vont se découvrir. Pourquoi ne pas trouver l'hôtel où on peut organiser une semaine des vacances ou des voyages scolaires afin que le mot que nous autres avons subi ne puisse plus revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ati. Ça aura été un numéro d'émotion, ce numéro de Yalna. Applaudissez pour vous, vous êtes magnifique. Ah ouais. Et une fois de plus, à tous les sinistrés, dès l'entente, j'ai demandé qu'on les applaudisse. Une fois de plus, on applaudit pour eux. À présent, puisque Walia est décidément à l'honneur,
Nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir avec nous, depuis le début de cette émission si délicieuse, monsieur le maire du 9e arrondissement de Walia, bien sûr, monsieur Mamat Kerima Salé. Bonjour, monsieur le maire, ça va. Bonjour. Ouais. Je vous salue. Monsieur Mamat Kerima Salé, qui serre la main de tout le monde et qui est visiblement très content. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le journaliste. Vos impressions? Vraiment, les mots me manquent pour qualifier mes impressions. Monsieur le président fondateur du lycée Patriote, monsieur le président fondateur du lycée Les Excellents, membres des jurys, monsieur le journaliste, mes chers petits frères et sœurs, vraiment, comme j'ai dit, le mot manque, mais je suis satisfait, très satisfait, surtout de votre réponse aux questions posées. Je ne m'attendais pas à ça. Automatiquement, je me suis dit, peut-être, vos encadreurs, vos administrateurs vous ont choisi pour que vous serez ici. Si l'ensemble des élèves qui ont ce niveau, je tire chapeau à ces encadreurs. C'est le lieu aussi de féliciter et remercier l'équipe de l'ONAMA. Parce qu'à travers cette émission, Yalna, je pense que ce n'est pas une manière de compétir les élèves des différents établissements, mais c'est une manière aussi d'améliorer votre niveau d'apprentissage, je peux dire. Parce qu'en partant de ça, je suis sûr et certain que les restes vont à tout prix, vont faire à tout prix pour chercher ici à cette place pour montrer aussi aux autres leur savoir-faire. C'est ça l'importance. C'est ça ce qu'on appelle la paix au Tchad, proprement dit. Puisqu'aujourd'hui, si nous voyons, si moi-même, prenons l'exemple même sur moi, mes habillements, mon visage, vous montrent que je suis ressortissant du Nord. Mais cela n'a pas empêché pour que je sois un maire à l'extrême sud du capital. Vous voyez ça? Donc, on n'est pas en politique, mais c'est pour vous dire que c'est ça la manière de vivre ensemble. Le Tchad appartient à nous tous, surtout à vous, la jeunesse. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous remercie mille fois et j'encourage à l'équipe de l'ONAMA de continuer dans ce genre de cette émission. Merci. Merci. Non, vous serrez les mains et puis vous remettez. Merci beaucoup. Voilà. Je remets à l'UNESCO. Monsieur le président fondateur de CIEL Excellent, je vous remets officiellement le prix de l'émission Yalna, organisée par l'équipe de l'ONAMA, dont ce prix mérite le travail de vos élèves. Merci. Merci. Merci, c'est donc là une attestation, un prix d'encouragement signé de notre directeur général, M. Boukar Sanda. C'est pour immortaliser ce moment et vous dire chapeau, vous n'avez pas raison. À présent, le lot qui revient au lycée Le Patriote, le lot gagnant. Monsieur le président fondateur des lycées Patriotes, je vous remets aussi officiellement le prix gagnant de l'équipe de l'ONAMA qui ont organisé l'émission Yali pour la compétition des établissements dans la ville de N'Djamena. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas le prix qui est important, mais c'est la reconnaissance. Merci. Merci beaucoup. On applaudit monsieur le maire qu'on va libérer. Merci beaucoup. Allez, venez, on va s'amuser pour le clap final. Oui.